Bonjour, je te présente le jeu Ça finit pareil. Si à un moment donné tu ne te souviens pas du nom des images, tu pourras venir cliquer ici sur la première page sur cette petite icône rose et elle te renverra sur cette vidéo où je vais te nommer donc le nom de toutes les images que l'on trouve. Le but du jeu est simple, tu as déjà fait ça en classe, il va bien falloir écouter tous les mots. Et il va falloir écouter cette fois-ci la fin des mots. Comment se finissent ces mots? Et en fonction de leur dernière syllabe de fin, donc, il faudra les ranger à la bonne place. Il y aura à la maison des mots qui se finissent comme râteau, donc qui se finissent par la syllabe tô. Il y aura à la maison ici des mots qui se finiront comme blaireau. Donc, qui se finiront par la syllabe ro. Ici, la maison des mots qui se finissent comme salon, long, la syllabe long. Et ici, la maison des mots qui se finissent par la syllabe ri, comme dans écurie. Je te redis le nom des syllabes et des fins de mots. Ici, c'est la syllabe tô, comme dans râteau. Syllabe ro, comme dans blaireau. Ici, syllabe long, comme dans salon. Et ici, la syllabe ri, comme dans écurie. Donc, pour faire ce jeu, c'est facile, tu n'auras qu'à attraper les petites images et les placer dans la bonne colonne. Avant tout, il faut que tu connaisses le nom de chaque image. Donc, je vais te les pointer une par une et te les dire. Et après, tu pourras aller faire le jeu. Taureau, talon, otarie, manteau, carreau, chauve-souris, château, ballon, riz, boulangerie, gâteau, melon, couteau, zoo, ro, violon, poireau, bureau, souris, bateau, pantalon. Voilà, maintenant que tu connais le nom de toutes les images, tu vas pouvoir aller faire le jeu. Donc n'oublie pas, pour faire ce travail-là, qui est un jeu, mais qui est quand même un travail, il faut que tu prononces à voix basse, mais il faut quand même que tu prononces chaque mot pour bien entendre les syllabes qui finissent chaque mot. Allez, amuse-toi bien!